Alors, Fritz ? Mars 1945. Notre mission avec la 9e DB et la 99e est de prendre le pont de Remagen. Si nous traversons, les dernières poches de résistance allemande s'effondreront. Hey, salut tout le monde, c'est Arstaller et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la campagne de Call of Duty World War 2. Et là aujourd'hui, donc je pense que ça va être un épisode assez sympa, la prise d'un pont. Donc sans plus attendre, on est parti pour la vidéo. Je ne demande qu'à être avec Hazel quand le bébé sera là. Mais je dois convaincre Pearson de me laisser combattre. Je dois retrouver Zeus, il ferait pareil pour moi. Si je ne survis pas, je veux que tu t'occupes d'eux, Paul. Oh, oh. Qu'est-ce que tu fais ici ? À ton avis ? Du suicide. Vaut mieux pas rentrer. Pearson a picolé. Merci pour l'info. Non, mais tu te fous de moi. J'abandonnerai pas, Zussmann. Parle-en à l'aumônier parce que j'accepte que les subalternes qui savent suivre les ordres. Vous ne suiviez pas les ordres quand vous avez refusé de l'abandonner ces gars à Catherine. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Vous le savez. Tu ferais mieux de partir tant que tu peux marcher. Davis m'a dit, ce n'était pas votre faute. Vous ne pensiez qu'à la survie de votre section. Dégage ! Dégage ! Je bougerai pas ! Je t'ai dit de dégager ! Nom de Dieu ! J'avais pour ordre de me replier. J'avais quelque chose à prouver, j'ai dit à mes hommes que... On arriverait à tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts, mais ils sont jamais venus. Jamais. Alors ouais, t'as raison. Les hommes sont morts par ma faute. Va-t'en. Je partirai avec ma section. Tu penses avoir des tripes, hein ? Essaie de faire ton travail, jour après jour, alors que tes hommes se font tous massacrer. Turner n'aurait jamais baissé les bras comme ça. Turner est mort. Alors que sa mort ne soit pas vaine. Pas de sacrifice trop grand. Tu n'as aucune idée de ce qu'est un sacrifice. Et ça, c'est quoi? Un certificat d'immobilisation signé par Davis. Mon billet retour. J'aurais pu tout avoir. Un accueil de héros. Ma femme dans mes bras. Et même une étoile de bronze. Mais il me reste une dernière mission. Alors t'es vraiment cinglé. Plus que vous pensez. D'accord, c'est bon. Sergent. J'ai dit que c'était bon, bordel. Si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. Allez, maintenant, dégage de là. Ah, toute la famille est réunie. Pas encore. Prenons ce pont et sauvons notre camarade. Oui, caporal. Si Zussmann est en vie, il est de l'autre côté de ce pont. On doit capturer le pont en premier. Bon, le voilà, le dernier pont encore debout sur le Rhin. Si on passe le Rhin avec le convoi, on sera au cœur de l'Allemagne. Plus rien ne nous arrêtera. Là, c'est sûr, ce sera tout ou rien. C'est le moment de vérité. Oh, rendez-vous !
Eh bah putain les amis, on peut vraiment dire que notre héros c'est un gros cinglé. Voilà. Oh la Didier, hein. Oh merde, il avait une barre. Chaud bouillant là les gars hein. Attends, gros, je recharge. T'excite pas. Allez, vas-y, on y va. On descend ? Ok. T'es enculé, va. Pardon, désolé pour ce gros mot, c'était pas bien. Il méritait que ça. Attends, j'ai vu qu'il y avait du car là. Voilà. Le petit car des familles qui fait plaisir. On s'en rappelle, ça marche bien ça. Daniels et Styles protégeront les ingénieurs. Ouais. Allez, on y va. Vous deux, désamorcez les charges sur la structure principale. Les poches se replient. Restez planqués et ouvrez l'œil.
qui est toujours avec moi. Le pont a tenu. Cette saleté a tenu le coup. On approche. Tout le monde va debout. Et en avant. On a encore du boulot. Cher, hein. Oula. Ça va pas faire des mines, mais bon. Des souvenirs du coup. Ces zincs vont faire exploser le pont. Il faut récupérer ces canons de DCA. Encore. Daniels, Howard, avec moi, avancez, vite. C'est ce dit sniper, ça va plus tard, ça d'ailleurs tu suis pas plus qu'un. Merde, putain, attends. Où est-ce qu'ils sont?
Ah moi aussi si on me dit rien. Daniel, au canon de TCA. C'est bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Protège le pont. À gauche. Les lâches pas. Tire direct. Ça, ça surchauffe. C'est la lune, continue de tirer, à 2 heures. C'est avec moi, hein. Nos avions sont okay. Là. En fait, à chaque fois, je crois juste à la fin, quoi. Ok. Ils vont mettre des bouchées d'eau. C'est pas fini. Vous deux, avec moi. Allez. Je vais bien utiliser le mortier, mais... Il y a un tout petit peu trop chaud là. Ok, c'était fait exprès. Un peu bizarre cette phase là. Le pont est à nous. Caporal Howard. Je crois que je vous dois des excuses. Tu me dois beaucoup plus que ça. Allez-y. On vient d'entrer dans l'histoire, les gars. Les premiers à franchir le Rhin. Qu'est-ce que tu regardes, le Fritz? On nous signale des camps de prisonniers dans le coin. Davis nous a ordonné d'attendre l'autorisation avant d'intervenir. Mais tu sais quoi faire des ordres de Davis? Bien compris, sergent. Très bien. Ouais, sauvé Didier! Je suis fier qu'on ait tenu la première tête de pont sur le Rhin. Et maintenant, le convoi va atteindre le cœur de l'Allemagne. Selon certains, la guerre est presque gagnée. Pas pour moi. Pas tant que j'aurais pas trouvé Zeus. Nous avons quitté le pont à l'est du théâtre d'opération. Et en chemin, nous sommes tombés sur des camps. J'ai vu les traces d'actes de cruauté dépassant mon imagination. Mais une chose est sûre. Je n'oublierai jamais ce que j'ai découvert là-bas. Les survivants ont dit que les autres prisonniers de guerre, notamment Zeus Mann, avaient été transférés dans un plus petit camp à 3 heures d'ici à l'est. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'il soit encore en vie. C'est le dernier. On dirait un camp de travail.
J'ai l'impression que c'est désert. Putain, en vrai, c'est là que tu... Dans des jeux comme ça, je trouve, c'est là où que... Tu sais, ça a un petit côté immersif, et c'est vrai que quand tu... Tu penses que là, ce genre de truc-là, ça a vraiment existé, il y a vraiment eu des gens qui ont été... massacré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, dans ces trucs-là, c'est vraiment horrible. Sors ton appareil. Le monde doit savoir maintenant. On les traitait encore plus mal que des animaux. D'après ce que j'ai vu, ils étaient battus, affamés, travaillant jusqu'à l'épuisement. Asie avait assassiné nos amis de sang-froid, et aucun feu n'aurait pu effacer les traces de leur meurtre. Je crois bien qu'ils ont servi d'exemple. Ils massacraient les plus faibles, tous ceux qui les ralentissaient. Daniels, par ici. Daniels, faut que tu vois ça. La piste mène au champ, ils ont dû les conduire là-bas. Alors c'est là qu'on va. Je me ferai pas trop d'illusions, Caporal. J'ai fait une promesse à Sussman. On le retrouvera, mais je peux pas promettre qu'il sera en vie. Sergent, j'arriverai jamais à comprendre comment un être humain peut faire des trucs comme ça, en fait. Sussman! Et voilà, la boucle est bouclée. Ce que j'ai fait, ce que j'aurais aimé faire, c'est vraiment comme si j'étais né pour vivre ce moment. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Tu es mort entouré de neige, parce que j'ai échoué. Et merde, j'arrive, Sussman. Tu vas pas mourir, mon pote. Pas ici, pas maintenant. En fait, son frangin, il est mort, Sussman, en fait. Ils te font croire qu'il est en vie et tout, mais en fait, non, son frère, le loup, il l'a vraiment éclaté, en fait. Tu m'as toujours protégé, Paul.
Et je m'en rends compte maintenant. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui permet de tenir dans cet enfer. Et cette chose, c'est un frère d'armes à vos côtés. Lorsque l'histoire vous a appelé, vous avez répondu. Riches et pauvres, vous êtes venus pour défendre la paix et la liberté. Je vous remercie. Et le monde entier vous remercie. Et surtout, quel que soit le chemin que vous emprunterez à l'avenir, n'oubliez pas, vous serez toujours des frères d'armes. Voilà, c'est fini, les gars. Zussman aurait voulu que tu l'aies. T'en auras plus besoin que moi. T'as un gamin, maintenant. Merci, ça fait plaisir. Ah, t'y arriveras. Messieurs. Amérique, ton fils prodigue est de retour. Et toi, ça va aller. Je dois dire au revoir à Zussman. Sergent. Vous rentrez chez vous ? Je suis chez moi. Et toi, alors ? Tu vas rempiler ? Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu le Texas. Prends soin de toi, Pecno. Ouais. Quand mon fils me demandera, je lui dirai que j'ai combattu dans la première. Avec ce salopard de Pearson. Et encore, t'as rien vu. Si jamais tu passes à Chicago... Je viendrai. Peut-être que je passerai à l'improviste à Longview avant. Tu seras toujours le bienvenu. Tu sais quand... Ils nous ont fait prisonniers. Ils ont pas pris seulement notre liberté. Et même quand on était ensemble, on savait qu'on était seuls. À essayer de survivre à tout prix. Et toi, t'aurais pu rentrer au pays en héros. Pourquoi t'es revenu ? J'ai vu cette vie. J'aurais pas supporté. À la mort. À la vie. Mon rêve était différent cette nuit. Cette fois, on a pu rentrer. Ensemble. Je peux toujours entendre les loups, Paul. Parfois, je peux même les voir. Et tu m'as montré comment les battre. Ceci devrait te revenir. Car le sacrifice que tu as fait m'a appris qu'un héros risque tout pour sauver son frère. Et tu seras toujours les deux pour moi. Ouais bien voilà les amis, c'est donc la fin, ça y est, de la campagne de Call of Duty World War 2. Je sais pas si c'est le fait d'avoir été militaire ou quoi, mais je trouve vraiment que la fin elle est émouvante. Et ça fait vraiment plaisir que ça se finisse entre guillemets bien, même si c'est un jeu de guerre. Et non franchement, c'est vrai que ce jeu et cette campagne, bien évidemment, trouve que l'histoire du début à la fin, elle est captivante. Le gameplay est tout simplement dingue. Les cinématiques sont ouf. Enfin, franchement, ils ont vraiment fait du gros travail dessus. Et je trouve vraiment que la campagne, elle est vraiment réussie. Et voilà, après, c'est sûr, je vais pas non plus partir sur du blabla pendant des heures et des heures. Parce que mine de rien, ça fait quand même déjà une longue vidéo. Donc, si vraiment vous avez kiffé ce jeu et cette campagne, et bien évidemment cet épisode, je vous invite à mettre votre plus beau pouce bleu et un petit commentaire. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, soit de cet épisode, si jamais vous êtes tombé que sur celui-ci. Ou carrément de toute la campagne si vous avez suivi la série du début à la fin. Et puis bien évidemment, vous pouvez également partager cet épisode, voir carrément la playlist complète, hein, comme ça au moins les gens pourront voir toute la série. Et puis vous pouvez aussi également checker un petit peu la description, il y a 2-3 petits trucs qui pourraient peut-être vous intéresser pour soutenir la chaîne. Et puis quant à moi, je vous souhaite donc à tous une très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée, et je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo.